Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour des infos sur un nouveau jeu Bmove. Et oui, je suis de très très près l'actu Bmove et je suis une grande fan de Campus Life. J'avais déjà fait une annonce sur le jeu Miravir sur mon ancienne chaîne, mais il faudra que je vous la réupload. Moonlight Lovers est un nouveau jeu Bmove qui est une histoire de romance avec vampire dévoilée sur Facebook. J'ai enfin pu approcher ce manoir. D'après les villageois, il serait là depuis des centaines d'années. Et à l'abandon depuis bien longtemps. Je ne peux cependant pas vous en dire beaucoup. J'ai encore besoin de temps pour comprendre ce qu'il s'y passe. Ai-je rêvé quand j'ai vu des lumières? Il serait donc habité? J'ai inspecté les alentours du manoir et mes recherches m'ont mené sur ce petit village. Tout semble si... normal. Je vais essayer d'en apprendre plus auprès des habitants. Les villageois sont charmants. Mais ils n'ont pas l'air de savoir grand-chose sur le manoir. M'ont-ils vraiment tout dit? Pourtant, leur réponse me semble honnête. Je suis retournée au manoir hier soir. Il semble que je ne sois pas seule à enquêter sur les phénomènes inexplicables de ce lieu. Une jeune demoiselle s'intéresse de près à l'enquête que je mène et m'a contactée il y a peu pour de plus amples informations. Serait-ce elle que j'ai vue il y a 3 jours à bord du manoir? Je n'ai pas eu de nouvelles de la personne qui m'avait contactée il y a quelques jours. Aurait-elle pris peur? Je n'ai pas le choix, je dois continuer mon enquête, avec ou sans aide. La jeune fille dont il parle n'est autre que Shani. Oui, oui, la fan d'Urbex gothique qui a un humour bien trempé. D'ailleurs, en parlant d'Urbex, ça fait un moment que je rêve d'en faire et je vais sauter le pas cet été. Donc peut-être que je vous montrerai qu'est-ce que je vais faire, parce que disons que chez moi, il y a des lieux qui s'y prêtent plutôt bien. Des lieux abandonnés, où l'accès est interdit, qui sont isolés, je sais pas vous, mais moi ça me hype de ouf. Concernant le jeu Moonlight Lovers, on peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenus. Il suffit de faire attention à les petits détails. Rappelez-vous, Shani nous en avait déjà parlé. Vous avez vu, je vous ai dit que Sherlock Secret investissait mon âme depuis ma plus tendre enfance. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, rappelez-vous que dans Amour Secret Campus Life, on a à un moment donné la possibilité d'acheter un téléphone à Secret. Et puisque je pousse sur le délire assez loin, zoomez sur l'écran du portable, vous voyez la photo annonciatrice de Moonlight. Et sinon, si vraiment vous avez une mémoire d'éléphant et que vous aimez aller au bout des choses comme moi, rappelez-vous de l'épisode 37 d'High School Life où on doit voir Quentin dans une sorte de boîte de nuit ou je ne sais plus trop. Je me suis souvenu vite fait parce que j'avais fait des captures d'écran. On voit un moment un inconnu qui apparaît et qui tente de mettre du GHB dans votre verre. Oh non, je déconne, en fait il voulait juste boire un coup avec vous sans aucune raison apparente et à un moment il est contraint de partir. Et on a l'occasion de voir quelques silhouettes qui ressemblent à s'y méprendre à celles du jeu de Bmove. Et en plus, ironie de l'histoire, c'est qu'Armin avait fait une petite blague en lien avec ça. Et si avec ça vous n'êtes pas convaincu, bah franchement je sais pas ce qu'il vous faut. Alors là on est sur la page principale pour aller réserver notre pseudonyme. Ne m'en voulez pas, j'ai regardé dernièrement les nouvelles aventures de Sabrina et j'ai surkiffé. D'ailleurs je vous en reparle fin mai, très rapidement. Donc du coup c'est pour ça que je m'appelle comme ça. Voilà, ça a été validé. N'oubliez surtout pas de vous rendre sur la page Facebook pour tenter de gagner la bêta offerte. Mes parents m'ont légué cet immense manoir dont je ne connaissais pas l'existence. À peine avais-je posé mon pied dans ces lieux que je me suis sentie entourée. Et observée. Mais que se passe-t-il ici?
Avide d'en découvrir plus sur tes origines, tu vas te trouver confronté à des événements que tu n'aurais jamais cru possibles. Fais les bons choix, séduis ton vampire favori ou laisse-toi croquer et perce tous les secrets du manoir. Écris ta propre histoire dans l'Otome Game Moonlight Lovers. Can your heart handle this love? Ouhou! Sachez qu'en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens pour pouvoir avoir les infos du jeu. Ah mais ça me donne trop envie! En parlant des mecs à pécho, donc nous avons Béliat. Oh, sympa le nom! Mais par contre, il n'y a pas de description. Par contre, il est vraiment très beau. Les longs cheveux noirs violines avec des yeux verts. Bon, des inconnus. Vladimir, le mélancolique. Un des premiers à avoir investi le manoir, il y fait figure d'autorité. Son caractère autoritaire et taciturne le rend difficile à approcher. Sauras-tu briser sa carapace? Mouais, bon, pour l'instant, je suis plutôt convaincue par le très très beau Béliat. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous donnerai de plus amples informations sur les réseaux sociaux si jamais j'en ai. Et je tenais à vous dire qu'il y aura quelques vidéos gaming, très très peu. Hein. En général, c'est pour donner des avis sur des jeux ou pour faire des routes assez courtes sur les jeux Wiimove. Mais vraiment très court, pas plus de 10 minutes. Allez, sur ce, moi je vous dis ciao. I stay loose, I stay hype, I stay loose, I stay hype.